Hello everybody, this is your teacher Dukene. I am really pleased to be on today to bring you a new video where you are going to learn a lot of things. Bonsoir tout le monde, donc on est déjà c'est Dukene, professeur pour la anglais tout partout. Je vous dis à nous pour une belle vidéo pour vous, côté nous pour aider dans sa prononciation. Et plus précisément dans les TA, en plus le monde a un problème, il n'y a pas qu'à parler même genre natif. Donc je vous dis à résoudre le problème ça. Donc qu'est-ce que ça vous fait qu'on y a, c'est abonner à la chaîne là, anglais tout partout, et puis on va venir directement avec la vidéo ça pour vous. Donc, nous allons parler de lettre TA, en plus, le monde a un problème. Donc, prêtez attention avec vous, ça, je dis, hein, parce que c'est vraiment important. Mais pas oublier, c'est partager la vidéo nous, pour qu'un peu le monde soit capable de voir, un peu le monde qui est intentionnel là, et à féliciter nous pour la vidéo. Ça, nous souhaitons que vous-même, ou aider vous-même, vous jouez plus de vidéos, pendant que vous partagez la vidéo ça, avec vous-même. Ça fait nous plaisir. Donc, je dis, nous allons parler de nous, ça, ou les prononciations. Let's get started with healthy. Nous commençons avec healthy. Qui est-ce qui est healthy? Donc, let day lui-même, il y a plusieurs prononciations, ça dépend de nos mots qui sont liés et son qui entoure en anglais. Donc, il demande comme si ou même pour prêter attention à tout ça que nous allons faire aujourd'hui pour bien comprendre. Healthy, hein, qui est healthy? Let healthy, hein, je vais l'expliquer bien pour comprendre ça m'a parlé. Par exemple, là, je dis que l'aime gain T plus N. When we have T plus N. Tenez bien, suivez-nous, aidez-nous à partager parce que c'est vraiment important. T plus N. T plus N. C'est T plus N. Donc, pour américain, tu as parlé de prononciation anglais-américain. Anglais-américain, même j'ai un peu de monde qui dit non que oui, c'est dans l'Amérique là, nous et il aime parler de natif. Oui, il faut nous parler anglais-américain. Nous parler anglais, ou bien nous, c'est américain, vrai. Oui, mais on a parlé d'anglais-américain. Ok? L'anglais T plus N, qui ça vous connaît? Américain, elle a parlé. Ok? L'aime c'est américain, parce qu'on a compris. Qui ça le fait exactement? L'anglais T plus N, il est souvent prononcé d'une façon. Comment que ou même ou de connaître que le prononcer pour qu'attendre le plus bien, ok, ou qu'à parler anglais plus bientôt. For example, one, nous avons le mot eat, ok, eat, eat tout le monde connaît c'est manger, mais passer le coup n'y a comme quoi le prononcer. Et quel que soit le mot qui gagne un conseil, donc ou qu'a gagné habilité pour prononcer le pas tout mot qui respecte le principe là, mais ou même de pour ouais que well ou bien habilité pour que ou parler anglais bien. L'engue eat, il y a une différence qui gagne, il a parlé de healthy avec santé. Healthy, c'est que l'aime qui est bête. Par exemple, si je parle anglais, il m'a dit manger. Je dis c'est eat, eat, eat. Même j'aime le mot bouton, par exemple, je tape moussa, moussa seulement, mais je dis c'est but. Qui sort langue dans la tip, the tip of the tongue touches the gum wedge. Alors, pourquoi langue est touchée par l'air? Ça, c'est. Tip, me dit peut langue nan a touché en l'air m'a kembel me dit but ou langue nan toujours collé en l'air mais pendant langue nan collé en l'air m'a prononcé n ça reste pas c'est pas forcément ça annoncer n ça kounia pour me ka dit bouton gen moun ka dit button oui c'est button prononciation ça bon mais américain là difficile pour dire button c'est pas dire pas dire button mais la bonne façon pour que ou même pour tendre et pour parler pour que vous compreniez nous plus bien. Je dis plus bien. Je dis, pour me dire bouton et pour me dire passer de manger, eh bien manger accent aigu, je dis bouton qui s'en fait ma kimbete, je dis bat et ma baenna. Phonème. Je dis button. Can you say that? Okay, let's go, try it. Button. Okay, it's a button. Do you like this button? Ou mes boutons ça? I don't like this button. Button. Voilà. Button. Je dis bouton. Voilà. Button. Qui ça? C'est M T plus N. Mais T, mais N. Même si il y a une autre voyelle, ça n'est pas trop important pour vous. Mais c'est T plus N pour contrôler. Je dis it. Là, je dis c'est it. Comment prononcer ça? Je dis it. T. Je dis it. Et puis, je dis N. Je dis. Eaten. Le passé c'est ate. Ça c'est eaten. Ok. Et ça, m'gen T, m'gen N. T, N, comme vous le prononcez, m'di ça c'est healthy. L'ouvre dans le mot tenir qui c'est hold. Hold. Tenir. M'di certain. Pour m'di certain. Je dis certain. Ou certain? Are you certain?
Are you certain? Well, m pa di, are you certain? Se yon sa ou kon fò pa kata de blan, oui. Se yon ti sa ou pou konen. La ke konen sa ou pale anglè trè bien. M di certain. Are you certain? Are you certain? Certain. 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 M pale de T plus N. Eaten. Button. Certain. 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 Ok? Certain. E sa. T. N. Nap di ki sa? Kon nap prononse sa? Nap di? Shorten. Shorten. Retrisir. Shorten. Important. C'est très important. M di ki sa? It's really important. Important. M di important. 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 Vraiment important. It's really important. M di important. M pa di important. M pa di le pa bon tout. Nous pas venir dire mais ça pas bon, nous dit pas fois comme si c'est pas bon même pour pas répéter. Mais tiens à ce que vous prononcez la façon que nous prononcer là pour qu'à parler même Jacques natif là. On dit important. Important. Donc n'a pas training ça pour avancer pour parler anglais plus bien. Important. Donc qui ça vous connaît tout. Il y a un bagage qui est extrêmement important pour connaître dans prononciation. Donc regardez bien ça va le faire. L'ng T plus N dit quelques mots yo similaire par exemple qui ça l'aim gagne dn la baille sont presque même gens pour qui ça c'est parce que t avec d position dans bouche là yo similaire façon que me prononcer d à prononcer t donc langue dans les même position dans bouche là par exemple même règle que m'appliquer pour tn c'est même règle ça m'ta dû appliquer pour dn par exemple sous ta le mot étudiant m'gagne d et puis n OK. Et pour me dire étudiant, je me dis, moi je suis un étudiant, je dis, I am a student. Student. Stud. Oui, c'est D. C'est comme si D est presque égal à T. Dans la position dans la bouche. Là. Ok? Je me dis, student. I am a student. I am a student. 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 Je dis, student. Ok? Mais student, c'est bonne prononciation. Donc, vous parlez normal. Là, on parle de T plus N, ok? T plus N. Now, you held the letter T so that you can sound native-like. And now, let's get started with silent T. Silent T, where the letter T is often silent, or it's not really pronounced. Là, on parle de T plus N, mais on parle de NT. C'est comme si on inversé. Majorité mot pour natif la lè que li wè n plus t gen yon façon que le prononcer. Par exemple, mais n nan, mais t ya, qui ça le fait ça, li pa prononcer t ya. Pour on ami qui l'a parlé avant, c'est l'abdou internet, li ka di ou internet, 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 internet. C'est comme si t ça pa prononcer pour m'a dit internet, m'di internet. Internet, internet. Donc, il y a quelqu'un qui dit, wow, c'est pas extraordinaire. Il dit, internet, internet. There is no internet connection. There is no internet connection. Donc, pas de connexion internet. C'est même gens qui ont NT pour me dire interview. Ou me dire interview, interview. Je me dis interview ou bien me dire interview. Donc, c'est pas un problème si vous dites interview. Mais prononciation pour natif la même li souvent pas prononcer t ça parce que li dans sens ça li silence mais li muette lettre là. Me dit interview, OK? Oh, I have an interview today. Mwen gen une interview jodi a. I have an interview today. I have an interview today. Donc wè comment me dit? Donc c'est comme ça que ou pral dit. Ou ka li ka difficile pour natif la dire I have an interview today. C'est pas dit le pas dit mais ou plus tendé que ou dit interview. For this word, number three, how can I pronounce it? Now, as we can see, we have NT. So when we have NT in a word, the letter T is often, I say often, often silent, okay? Here I say center, center. William di center, di center, okay? Center. Pourquoi ça me dit center? Parce que j'ai NT na mosa. Because I have NT in this word, okay? Number four, numéro quatre. Accountable, accountable. M'te kazi accountable. Donc, l'ab difficile pour natif l'autant de que l'zou accountable. Mais l'ouab dit ça ou dit accountable. Accountable. Accountable.
accountable. C'est parce que vous pratiquez, vous mettez en évidence ça relève N plus T. C'est prononciation ça vous connaît. The last one is international. Moi, je m'appelle international, moi dis que I have an international call. International, international. OK? Appel international, je dis international call. OK, please pick the phone for me. Pick the phone for me. It's international call. C'est un appel international. Donc, so, ces mêmes gens qui m'ont parlé de TN et m'ont parlé de DN, c'est comme si T ça remplace D ça pour student. Mais c'est presque les mêmes gens tout, l'aime NT qui vient égal avec ND. OK? Ça c'est DN, ça c'est ND ou bien ND. Donc, dans le mot tout, les noms mot ça, OK? L'objet un garçon beau, OK? Ou beau, on peut dire you are handsome. You are handsome. On peut dire you are handsome. Pour qui ça me pas dit handsome parce que m'gagne ND dans mot ça. Nous seulement prononcer N, D a pas prononcé, OK? The letter D is not pronounced because we get ND in this word. Nous dit I understand, prononcer complètement Jean Cuillier. Mais s'ils suivions l'autre son, can I understand that? I understand that. Gemon cap dit I understand it. I understand that. OK? Do you understand that? Do you understand that? Est-ce que vous comprenez? Do you understand it? Do you understand it? Do you understand it? Donc, il y a deux façons. Donc, je souhaite que vous compreniez tout ça. Donc, on y a là, à profit de comprendre T plus N qui compare avec D plus N, ou comprendre N plus T qui presque égal avec ND. Donc, nous allons expliquer qu'on y a quelques mots. Comment le T est capable de mieux être? We get now silent T. Donc, nous continuons avec le T qui n'est pas prononcé. Mais principe qu'on est. Donc, il n'est pas forcément général, mais l'idée de prononcer quelques mots qui paraissent devant facile pour pas pour l'autre prononciation. Dans la majorité, mots que ouais F-T-E-N, F-T-I-N, S-T-I-N, S-T-L-E. Donc, dans le mot ça, l'idée n'est souvent pas prononcée. I say souvent, often, OK? Donc, vous pouvez me dire often. Pendant que je dis often, non? Donc, often, comme on l'écrit, ouais. F-T-E-N. Oui, ça m'a dit often. Oui, ou ka dit often, OK? Mais majorité moun dit often. Moi, dit souvent, majorité moun dit often. Donc, on démarre avant, on prend ça, on prend ça, S-T-E-N. On prend deux mots pour chaque, pour capable bien comprendre ça que on a fait. Regardez bien, on démarre S-T-E-N. Number one. Comme qu'a prononcé parce que me dit le T a pas prononcé. La lettre T, il pas prononcé. Number one, qui ça me doit dire? Est-ce que me doit dire listen ou bien listen? Qui ça me doit dire? On allez, me pense que en pile nous a deviné, en pile nous nous connaît, n'a dit listen. Listen. Me dit listen. The letter T is not pronounced. It is silent. Donc il pas prononcé. Deux, number two. Fasten. On va dire fasten. On dit fasten. OK? Ça va dire, attendez, listen to me. Attendez, papa. Listen to your father. Until I say fasten. Fasten, for example, fasten the belt. Donc, on dit, marrer ou bien serrer ceinture. On dit fasten the belt. On va dire fasten the belt. On dit fasten the belt. Here, on va démarrer qu'on y a avec F-T-E-N. Donc, dans le mot, par exemple, often, on dit often, on va dire often, mais oui, ou qu'a dit, les gens me disent avant, ou qu'a dit often, mais dans de plus, on dit often, OK, often. Here, I say soften, soften, soften. Je souhaite que nous cherchions la définition, non pas by toute définition. Il y a un peu de monde qui m'a demandé nous pour nous définir, qui ça, on voulait dire. Oui, mes amis, on a aidé à parler anglais à 7, mais on peut pas écrire. Créole sur tableau, OK, nous pas pour faire ça parce que tableau ap sale, nous pas remen comme si et ça donc nous remen bagay qui propre, nous remen bagay qui OK. On dit soften, soften, OK. Number 5. On dit parce que me gagne S T E L et la majorité mon lower S T E L, lettre li même li souvent pas prononcé. On dit castle, castle. Et comme quand on marque il était écrit E, qu'on y a c'est whistle. C'est whistle. Donc, c'est prononciation, c'est whistle. C'est pas seulement E, c'est pas E lié parce qu'il n'a pas l'idée S-T-E-L. Moi, c'est whistle.
When we have S-T-E-L in the spirit, so the letter T is not pronounced. We pronounce it as whistle, whistle. So let's try to have a recap. We are going to pronounce them over so that you can know how to read them well. So the first one is listen, listen, listen to Jack, listen to Dukene. And the number two, which is the second one, we say fasten, okay, fasten. And the third one is hoffen, hoffen. You can say often too. And four, soften, soften. Before the last one, castle, castle. And the last one is whistle, whistle. Ok, donc vous connaissez qu'il faut nous faire phrase ensemble, donc vous pratiquez très bien. Donc, ou même vous pouvez utiliser pour phrase par vous. Donc, ça nous demande, on a demandé à chaque monde écrit quelques mots qui gagnent son savoir là-dedans, de façon à ce que vous pouvez pratiquer plus bien. Donc, si vous faites une phrase écrite dans le commentaire pour nous, ça fait nous un peu de plaisir pour nous voir comment que ou même vous travaillez. Ça fait nous un peu de plaisir, j'aime ça. Donc, on va aller, new sentences. Let's say new sentences, ça c'est une nouvelle phrase. Ok? Nous, ça prononce comme nous, ou bien nous pouvons prononcer comme new, ok? New sentences or new sentences. We got two sentences on the board. Nous avons deux phrases sur le tableau. Donc, regardez là. Un, donc, qui ça a fait avant? Nous avons identifié les lettres, ça nous a enseigné. Dans le premier, ça, nous avons TN. Ici, nous avons TN. Ici, nous avons TM. Rappelons que TH nous avons gagné. Nous avons TN. On a les phrases ensemble. On a les. Listen, moi avant. Important, shorten, curtain. Ça c'est the. Listen, it's important to shorten the curtain. Listen, it's important to shorten the curtain. Listen, it's important to shorten the curtain. Vous pouvez dire phrases là, essayez-le ou apprenez-les, ok? Listen, it's important to shorten the curtain. Lis souvent, interviewer nouveaux étudiants dans le centre. C'est tout ça que nous avons aujourd'hui. Bon, je pense que nous avons appris le bagage. Qu'est-ce qu'on a fait pour nous? C'est like and share this video. Partager. Bon, tout le monde partage la vidéo. Ça fait nous plaisir. C'était le professeur Paul Dukende pour Anglais tout partout. And see you next.